Bientôt fini, j'en ai assez vu comme ça! Amusé comme ça, hein? Je peux partir maintenant!
Je recevais une médaille du président, mais en allant lui serrer la main, j'ai buté et je lui ai mis un pain. Dans le cou. Dans le cou? J'ai buté! Vous avez frappé le président par surprise dans le cou? Avoue que ça te plaît de me faire passer pour un con, hein? Oh. Tu devrais bosser pour la presse à scandale. Je vous emmerde. Oh. Pas sujet sensible. Tes parents ont été tués par des paparazzi. Ah. On va où, au fait? Du calme, écoutez-moi. Tu m'avais dit qu'on allait au mini-golf. Non, mais franchement, professeur, vous n'aviez quand même pas gobé un truc si gros? J'adore le mini-golf. Ouais, bon, écoutez. Il y a une base militaire secrète. Oh, pitié, pas encore une de ces conspirations d'Internet. C'est du sérieux! Ils mènent des recherches scientifiques illégales. Faites demi-tour. Des expériences sur l'homme. Faites demi-tour maintenant! Franck! Arrêtez! Franck! Toutes les fois où on a parlé après les cours, est-ce que j'avais l'air de vouloir retourner à Willamette? Tout ira bien. Faut se détendre, là. Ouais, c'est ce qu'on dit avant que les cris retentissent. Oh. C'est vous qui dites toujours que je prends des photos pourries avec mon téléphone. C'est le cas. Alors, qui de mieux qu'un photographe mondialement reconnu pour m'apprendre? C'est mon appareil. Ouais, il traînait dans votre placard. Fermez à clé. Fermez vite fait. Écoutez, ma source parle d'un défilé de sacs mortuaires. Des rumeurs d'essais sur l'homme, un site de missiles abandonné. Franck, vous n'allez quand même pas dire non? C'est non. Franck, c'est notre chance. Je vous en prie. Ok, mais je prends le volant. Quoi? Non, c'est ma voiture. C'est mon histoire maintenant. Quoi? T'es ici pour apprendre. C'était mon histoire il y a 2 minutes. Allô? T'es ici pour voir comment un vrai journaliste d'investigation se démerde sur le terrain. Sans rien d'autre que ses notes, son appareil et ses grosses couilles, pigé! Waouh! Dezio, ta source parle d'expérimentation sur l'homme, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir des choses qui piquent les yeux. Et? Si ça arrive, tu gardes ton sang-froid. Tu prends des notes, moi je m'occupe des photos. On décroche le scoop et on fout le camp. Ok. Faut révéler l'histoire, pas se faire bouffer par elle. Compris. Perds pas l'objectif de vue, ok? Ouais. Si ça marche, je te laisse la prochaine. Allez, check. Non. Allez, quoi, vas-y. Non, je peux pas. T'es au-dessus de ça, hein? Je comprends. Le travail nous attend. Il est complètement barge. T'as dit comment entrer? Oui, il y a une carte de sécurité cachée dans une remise quelque part. Très bien, c'est parti!
Maniez-vous, d'accord? Voilà le refuge. Je vais l'inspecter. Ouvre bien l'œil. Ouais. Comptez sur moi. Je l'ai trouvé. Et maintenant? Ça ouvre une porte pas loin. On y va. Pas si vite, fantômette. Je veux pas me faire descendre, ok? Hey, planque-toi! Oh merde! J'ai du café à l'intérieur. Viens, ils iront nulle part. C'est pas un camp d'entraînement des réservistes, c'est sûr. Ces types étaient en tenue de combat. Et c'était quoi, ces masques? Je les ai vus. Écoute, tu peux te calmer un tout petit peu. Quoi qu'il se passe ici, on partira pas sans preuve. T'as ma parole. Ouais. Je savais qu'un Frank West sommeillait en vous. La ferme. J'ai entendu un truc. Oh, je me demande quel temps il fait. Prenez des photos. Non, tu crois? C'est pas la première fois que je fais ça, tu sais. Putain, mais qu'est-ce qu'on branle encore ici? C'est pas vrai. Franck! Chut! Bordel, qu'est-ce qui se passe ici? Allons le découvrir. Les caméras sont coupées. Mon contact a dû les désactiver. Psychiatre dit qu'il reste encore du travail. Essayez cette porte. Je vais voir ce que je peux faire d'ici. Je suis pas sûr d'aimer ce que j'entends là. J'ai trouvé un panneau de contrôle. Le seul moyen de sortir est d'ouvrir toutes les cellules. Quelle grosse surprise! On va les ouvrir une par une. Vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Si on veut. Tu pourrais prévenir ! Je l'ai fait !